sur le plan national indépendant dans la révision difficile et étroite. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus, relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. À ce titre, au sommaire de ce journal, Henri Mova Sakani en première ligne dans la recherche de la paix en Ituri, point d'ancrage, le village de Katoto en proie à des violences interethniques qui ont fait des milliers de déplacés. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Funtoto Basanga. Bonsoir, M. Funtoto. Bonsoir, madame. M. Funtoto, vous êtes initiateur de la troisième voie courant des pensées et vous êtes aussi président national du parti de la nation au Congo. C'est bien cela. Je vais sur ce plateau pour vous parler de la décrispation sur le plan international. Nous sommes à vous tout à l'heure. Nous disons en titre, le village de Katoto dans le territoire de Djougou à Nitouri, théâtre de violence, il y a peu, retrouve le calme. La délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Henri Mova Sakani est arrivé sur place pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut. Un commentaire de Cédric Kamina sur les images de Tony Djou. Un conflit présenté comme étant intercommunautaire entre Emma et Lindou et qui a vu les projecteurs du monde entier braqués sur la province de l'Ituri. Des violents événements de février dernier dans les villages Katoto, territoire de Djougou, ont poussé les chefs de l'État à dépêcher une mission sur place conduite par le vice-premier ministre, ministre d'Intérieur et Sécurité Henri Mova Sakani. Près d'une heure trente de route, sous une pluie torrentielle, le vice-premier ministre Henri Mova et sa délégation, notamment le ministre de la Défense, Crispé Atamakabe, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, maître Jean Bouillou, le commissaire général de la police nationale, le général Dieudonné Amouli Baïkwa, le commissaire provincial Henri Capende et le gouverneur de l'Ituri, Abdallah Jefferson Penemaka, sont arrivés à Katoto où la ville reprend peu à peu son cours normal. Les déplacés regagnent leur domicile et la vie s'organise autour des forces de sécurité qui jouent pleinement leur rôle, qui est celui de veiller au respect de l'autorité de l'État. Une réunion d'évaluation s'en est suivie, réunion présidée par les patrons de la territoriale qui a dû rappeler dans les détails les instructions fermes du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour le retour effectif de la paix. Retour dans la capitale pour vous dire que le vice-premier ministre, le ministre en charge du transport, a échangé avec le représentant résident de la Banque africaine de développement, le directeur général de la RVA et celui des Congo Airways, sur la possibilité d'assurer une bonne sécurité aérienne. C'est un remercie depuis Bruxelles. Les modalités concrètes pour booster les acquis positifs, l'intégration régionale est inscrite dans le processus de la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires et fluviales congolaises, gage de leur mise à niveau aux standards internationaux, principale articulation des futurs entretiens entre le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, et les représentants résidents de la Banque africaine de développement, Sylvain Malico. La banque, comme vous le savez, agit sur les aéroports. Donc c'est un vaste projet d'intégration régionale sur lequel, depuis quelques années, dans le cadre des projets prioritaires du NEPAD, la BAD est fortement engagée. Et donc, on a essayé de faire le point également pour voir à quel niveau se situe ce dossier. Avec les directeurs généraux des deux structures sous sa tutelle, à savoir la régie de trois aériens RVA et Congo Airways, la problématique liée à l'élargissement de l'exploitation des réseaux domestiques nationaux de navigation aérienne en province était au cœur des échanges.
serons à Kibadolité. C'est ça le message le plus important que les passagers doivent avoir. Parce que nous avons reçu mission de pouvoir les servir 14 heures. Nous sommes en train d'aller vers les autres aéroports pour voir comment être, nous pouvons atteindre les 54 aéroports qui possèdent notre autorité aéroportuaire, la RBA. Il y a eu quelques préalables qui étaient évoqués par mon collègue de Congo Airways et qui seront certainement mis en œuvre au cours de cette semaine et la semaine qui arrive, notamment en ce qui concerne le déploiement rapide des camions anti-incendie et d'un circuit d'approvisionnement des carburants devant lui permettre d'optimiser ses vols sur Badolité. Et en prévision de 50 ans d'existence de l'ISP Bandakar, les membres du comité de gestion de cet institut sollicitent l'invitation au grand fils du terroir. Je citais Jean-Pierre Lissanga-Bongaka, ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, justement pour la réussite de cet événement, fait dire Gabriel Kitiki. L'Institut supérieur pédagogique de Bandakar s'apprête à célébrer ses 50 ans d'existence. Ce jubilé blanc mérite une commémoration à l'image des fils et filles formés. Créé en 1968, une délégation de cette institution supérieure conduite par le coordonnateur du bureau de la représentation de la province de l'Équateur, dit Domenzou, s'est entretenue avec le ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lissanga Bongaka. La délégation souhaitait que le ministre d'État se prenne et s'implique à la commémoration de cet anniversaire. Nous aimerions que ces moments de jubilé soient fêtés sur toute l'étendue de notre République et même en dehors de la République. Et c'est pour cela, parce que, évidemment, le ministre de Bandakar, c'est la première institution universitaire de l'Équateur. Et donc, dans ce sens-là, il était nécessaire que nous puissions fédérer autour de ces projets de personnalité de tout le monde. Nous avons sollicité et reçu de la part de son Excellence que soit le président de l'organisation de ces grands projets de jubilé. Le ministre d'État Jean-Pierre Lissanga Bongaka, touché par ces gestes, a remercié la communauté studentique de l'ISP Bandakar, s'est engagé au nom du chef de l'État Joseph Kabila Kabange de s'impliquer personnellement avec tous les ressortissants de la grande province de l'Équateur pour que ce jubilé soit une réussite. J'ai dit oui. À cette longue tâche, c'est maintenant le moment de voir comment il faut contacter tout le monde, en commençant par le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement de la Nouvelle Équateur, les ministres d'enseignement supérieur, les comptables de l'Équateur qui sont ici. L'invitation est donc lancée. Puis les fils de l'Équateur doivent mettre la main dans la farine pour que cet anniversaire de la première édition de leur province soit fêté avec pompe. Et les journées sociales du Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, ont commencé ce lundi 12 mars et vont durer 3 jours. Elles ont pour thème le citoyen et la justice. Et pour cette première journée, notez qu'il y avait plusieurs personnalités, parmi lesquelles le directeur du cabinet adjoint, le chef de l'État, Etitia, nous en parle. Année à l'initiative du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, il s'était des journées sociales au siège du CEPAS même. Pour cette année 2018, du 12 au 14 mars, autour du thème « Le citoyen et la justice », plusieurs conférences auront lieu avec différents orateurs. Ce premier jour, consacré au fondement du droit, a vu intervenir son éminence cardinal Laurent Mosseigo-Fassina en première conférence sur l'Église face à l'État dans la promotion de la justice. La justice qui va au-delà du droit appelle la charité qui consacre la fraternité, le bien commun. Dans un exposé succinct et magistral, le cardinal pose des interrogations qui vont faire l'objet des débats dans des ateliers. Père Alain Nzadi, directeur du CEPAS et organisateur des journées sociales, précise les objectifs de ces rencontres intellectuelles. Parfois, de ces trois journées de réflexion, c'est ce que nous voulons, c'est que le système judiciaire de notre pays s'améliore. Et comment faire en sorte que ces systèmes judiciaires deviennent accessibles à tous, et surtout que les citoyens sortent du rapport qui est un rapport un peu soupçonné. Le directeur du cabinet a dit le chef de l'État chargé des questions politiques, Jean-Pierre Kabila, encourage ce genre de débat intellectuel. Auront lieu à mercredi afin de produire des recommandations destinées à diverses institutions
santé humaine et animale afin de préparer la riposte et collaborer avec les acteurs en vue de cibler les ressources. Pour l'Organisation mondiale de la santé, cet atelier est important dans la mesure où il est le processus d'application du règlement sanitaire international en RDC, a dit le représentant résident. Le ministre de la Santé a saisi cette opportunité pour faire une annonce. Plusieurs initiatives sont en cours pour renforcer notre capacité à remplir notre rôle dans l'agenda global. Ainsi, nous avons lancé une dynamique pour créer une agence congolaise de prévention et de contrôle des maladies, en quelque sorte le CDC-RDC. Cette initiative s'appuiera, entre autres, sur le renforcement de la direction de la lutte contre la maladie, qui est désormais une direction générale, sur le renforcement du plateau technique de l'INRB et la mise en place d'un centre des opérations d'urgence. Le directeur général du programme national de l'hygiène aux frontières rappelle les étapes qui ont conduit à cette évaluation. Pour qu'un pays accepte à cette organisation et soit pris en compte et financé, il faudrait que celui-ci passe par un processus. Le processus fait que le pays s'auto-évalue d'abord. Après cette auto-évaluation, les résultats doivent être certifiés au travers l'évaluation externe en vue d'élaborer un plan de mise en œuvre intégré des actions à mener pour sécuriser le monde contre les maladies de portée internationale et les risques de portée internationale. Cet atelier prendra 4 jours et va se clôturer le jeudi par une visite sur terrain. C'est une salle de 3e graduant, faculté des sciences économiques de l'Université protestante au Congo, pleine comme un neuf, qui a reçu le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Emery Okungi-Njouf. La conférence débat sur le thème Entreprendre dans l'industrie numérique, apport, opportunités et perspectives est au cœur de son action au gouvernement. Axant son intervention sur l'importance pour la jeunesse congolaise de s'investir dans la maîtrise des technologies de l'information et de la communication considérées comme vecteurs de création d'emplois et de connaissances socio-économiques des nations, le ministre de PTNTIC était très attendu par plus de 800 étudiants sur la connectivité, l'investissement du gouvernement dans la recherche numérique, le projet Congosat, avec visiblement une maîtrise du sujet, Emery Okundji a répondu aux interrogations de l'assistance, surtout sur la coupure d'Internet à la veille des marches populaires. Au sortir de cette séance, le ministre réaffirme la volonté du gouvernement à reposer son action sur la jeunesse. À la fin, nous avons la même compréhension de choses. C'est un exercice louable qu'il faut toujours faire avec la jeunesse congolaise, l'avenir de demain. Et donc, nous nous félicitons d'avoir réussi cet exercice. Chaque fois qu'il le faudra, le ministre de PTNTIC, Emery Okundji, reviendra pour des échanges toujours enrichissants. Ouverte dans l'après-midi du 8 mars 2018, la 6e édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin s'est clôturée le samedi 10 mars dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Cette foire de 3 jours, qui a connu la présence d'une cinquantaine d'exposantes, a été clôturée par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safnopoussa, son initiatrice. La patronne du genre a remercié les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour l'attention qu'il ne cesse d'accorder à toutes les questions liées aux femmes, actrices incontournables des mutations diverses que connaît la République démocratique du Congo. Les femmes ont démontré de quoi elles sont capables, elles ont évalué sur nos différentes fentes les activités qu'elles entreprennent. Commencer par les femmes qui font un milieu rural, les femmes qui s'adonnent au travail du champ, les femmes qui s'adonnent à toutes activités qui leur permettent dans un domaine donné pour pouvoir soutenir aux besoins de leur famille. Les participantes et exposantes des produits n'ont pas manqué des mots pour saluer la réussite
pisciculture et l'élevage dans la partie rurale de la ville province Kinshasa, plus précisément dans la commune urbano-rurale de Maluku, a été satisfaite pour le récolte dont il a été bénéficiaire. Les membres de cette firme agricole ont pu importer dans leur gibecière trois variétés de maïs. Il s'agit de céréales de première qualité recommandées pour une bonne alimentation. À partir du travail de l'agriculture, parce que c'est le parent qui va scolariser l'enfant, va nourrir, va se nourrir lui-même et puis les enfants. Il va avoir le soin de santé à partir de l'agriculture. Il doit, bien entendu, aussi avoir le pelage. Moi, j'appelle la population de Rodemokapole de s'approprier de ces projets, puisque la cible, c'est le bienfait qui doit sortir de ce travail, c'est eux qui seront bénéficiaires. Quant au reste, nous, c'est les actes. Donc, quelqu'un peut venir une fois, et puis s'il a la contribution tant que de son personnel, il est présent à cette cérémonie. Le président de la GRS de l'espace catalan, José Caboulot, a loué les travaux abattus par cet ONG. Saisissant l'occasion, Réagrico a insisté sur le thème de la Journée internationale de la femme de cette année pour valoriser les activités champêtres. Pour joindre l'étude à l'agréable, la manifestation s'est clôturée par des pas de danse excusés par le vaillant femme de Mokapolo. Le 8 mars, journée retenue dans le calendrier pour rendre hommage à la femme porteuse de vie, a été célébrée avec face au restaurant Mega à Gombe par les femmes entrées de la jeunesse de l'espace Katangé, Jeng Osik. Ces derniers ont dressé un bilan de leurs activités menées en faveur de la femme congolaise, particulièrement celle qui se bat jour et nuit pour maintenir l'équilibre de leur famille et milieux sociaux. C'était une occasion pour la chargée de communication de la GEC, Marc Moua, de rappeler les combats menés par les femmes pour la prise en compte et leurs conditions qui s'est améliorée au sein des années. Et nous remercierons à jamais le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour ses efforts personnels à restaurer la paix à travers la République démocratique du Congo. Aussi, les femmes membres de la jeunesse de l'espace Katangé ont-elles apporté leur contribution aux efforts en faveur de la paix entre les communautés pygmées et bantoues dans la province de Tanganyika. Les femmes doivent soutenir et encourager les chefs de l'État dans son œuvre à la tête de la nation. Nous félicitons aussi la femme Kwaki Balmene, n'a jamais été seigneur de guerre et aucune d'entre elles n'a pris les armes pour tuer ou massacrer. Parmi les contributions et suggestions de la femme, membre de la jeunesse de l'espace Katangé, il y a à retenir l'autonomisation de la femme en lui donnant ce petit crédit dont on parle tant. Madame la secrétaire permanente adjointe du PPRD, Micheline Koumba, a consacré la journée du 8 mars avec les femmes Bumbanzangungu, c'est dans le Congo central. Et pendant ce temps, les femmes de la Croix-Rouge prenaient part au forum de l'entrepreneuriat. Et question de montrer une autre facette de la femme sécurise. Nélène Kéjakaboba, reportage. La femme qui travaille dans le champ, c'est elle qui bâtit sa maison et assure l'autosuffisance alimentaire à sa communauté. Mois de mars, mois de la femme, a vu Madame la secrétaire générale adjointe du PPRD, Micheline Koumba, visiter la ferme de l'ONG, Union des femmes pour le développement des masses, UFDM, non loin de Kasangoulou, dans le Congo central, dont elle est, à juste titre, l'initiatrice. L'événement est allé au-delà des attentes, hormis les femmes rurales. D'autres du PPRD ont rejoint les groupes pour communier avec la secrétaire générale adjointe qui n'a pas hésité à prodiguer certains conseils à ces femmes battantes travailleuses de la terre. Une visite qui a permis également à ceux qui doutaient jusque-là du bienfait de l'agriculture de savourer bien plus, de participer et jouir des produits de récolte. Un moment unique qui s'est terminé par un partage autour d'un repas et les danses populaires pour célébrer la femme. 2018, la République démocratique du Congo fait honneur à la femme rurale à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Les femmes de la Croix-Rouge en emboîtent également le pas car elles considèrent que la femme rurale est comparable à celle de la Croix-Rouge qui travaille sans rémunération tout en contribuant au développement du pays. C'est dans cette optique que la Croix-Rouge a mis en exergue la notion de volontariat en ce mois de mars. La femme rurale, c'est une femme qui a de beaucoup pour le monde. Toute autorité aujourd'hui a une femme rurale. Et je pense que nous lui devons beaucoup de respect.
partout. Nous, nous sommes des femmes cadres, dans les bureaux, les femmes urbaines. Mais dans les femmes rurales, il y a aussi la femme Croix-Rouge. Donc c'est pour manifester notre accord. Nous nous associons à ce thème. Présente au Forum des femmes entrepreneurs à l'Académie de Beaux-Arts, la femme de la Croix-Rouge a voulu montrer une autre face de la femme secouriste au-delà de son rôle primordial. Dans la division en genre, cette femme travaille dans la transformation de produits locaux. Elle se met dans la fabrication de sacs et autres types avec les matières premières à caractère bio. Cette autre identité de la femme de la Croix-Rouge prouve à suffisance son implication dans l'entrepreneuriat dans le cadre de la promotion de la femme. Nous avons érigé un slam. L'accent est mis d'abord sur la sensibilisation. La sensibilisation des différentes maladies actuellement, qui est le choléra. Nous avons voulu informer la population les conditions d'hygiène, comment éviter cette maladie. Nous avons voulu aussi montrer à la femme, à la population, les activités de développement que nos mamans réalisent. Toute action qui concourt à l'instruction de l'individu est une semence pour un avenir meilleur au sein de la société dont il dépend. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est dans cette optique que la Voix de la Femme a lancé le programme d'escolarisation Tumaini, qui signifie espoir en Swahili. Coaching, témoignage, chanson gospel et quelques pas de danse des orphelins sont là les temps forts de cette cérémonie haute en couleur. J'ai beaucoup apprécié cette initiative que je trouve noble. Noble pourquoi? Puisque l'expression d'amour qui a été manifestée par ces enfants, ces jeunes filles qui pensent à ces orphelins, à ces autres filles qui sont dans des conditions difficiles, leurs études, ils ont mis en priorité comme action dans leur population venir en aide à ces jeunes filles. Je trouve que c'est vraiment une initiative à encourager. La Voix de la Femme est une organisation essentiellement féminine qui s'est assignée la mission de contribuer à l'épanouissement de jeunes femmes désœuvrées, non seulement par l'éducation, mais aussi par la réalisation de projets visant à leur conférer des compétences pour relever les défis auxquels elles font face. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a reçu aujourd'hui dans son cabinet de travail les experts du laboratoire national des travaux publics conduit par le directeur général de l'Office d'Alto. Autre chose, cette déclaration, l'église catholique de Kinshasa retrouve de plus en plus la sérénité et l'ambiance de prière. En tout cas, ces paroles sont du ministre du Développement Rural, Justin Bitakura. Merci beaucoup, Kassanza, d'avoir nous donné un reportage. Études et des sols de fondation sont rendus obligatoires pour les constructions des génies civils en République démocratique du Congo. Les textes relatifs existent déjà, mais non respectés. Le dernier en date, l'arrêté ministériel signé par José Makila, alors ministre des Travaux publics et infrastructures, en 2006. Maintenant, l'exécution des études et le contrôle des qualités des sols et des matériaux de construction des immeubles et autres bâtiments dans notre pays sont à la base du spectacle on un peu plus drôle et ridicule. Le coffre ce secteur aujourd'hui. Les effondrements à répétition des immeubles en sont des illustrations éloquentes. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat et le directeur général de Fidéo exhorte les opérateurs immobiliers à recourir au service du laboratoire national public avant toute exécution des ouvrages de génie civil dans notre pays. Pour éviter encore de morts, nous sommes venus voir les ministres pour sensibiliser l'autorité par rapport à cela. Et le ministre a été très sensible à notre démarche parce que ça touche aussi la population. Entendez, ouvrages de génie civil, les bâtiments, la route, les ports, l'aéroport, le chemin de fer, le quai d'accostage, le barrage, les pylônes, les tunnels, le mur, les soutènements, la piscine, les collecteurs, les goûts, les dépoteurs souterrains et en surface, en tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Le fidèle catholique de la paroisse Saint-Boniface de Makali dans la commune de Kimbaseke, on connaît un dimanche pas comme les autres. Heureux d'avoir accueilli par
fraude et la sous-évaluation de qualité des produits. Pour une collaboration efficace et effective, le directeur général de l'OCC, Célestin Pierre Rissassi-Tabouron-Simoua, a conduit une forte délégation à la DGDA avec pour objectif la signature de l'avenant numéro 1 au protocole d'accord des collaborations entre l'OCC et la DGDA. Le directeur général par intérim de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mucci, était à la tête de la délégation de la direction générale des douanes et accises. Les deux directeurs généraux ont eu le nom des circonstances pour souligner l'importance de cet avenant. Cet avenant comprend la question de l'incorporation de frais dans la liste informatique de l'OCC, les fonctionnements du comité de suivi de l'accord signé en 2012, les conditions de perception de frais de l'OCC et le versement automatique de la TVA dans les trésors publics. Ont pris part à cette cérémonie Madame Isabelle Kasongo-Bomba, directeur général adjoint, et le directeur général adjoint de la DGDA, Simon Urbain Zouka Makengo. La salle de réunion de la DGDA dans la commune de la Gombe a servi de cadre à la tenue de la rencontre du jour. Et la dynamique pour la démocratie au Congo annonce déjà ses couleurs pour les élections à venir. Ce samedi à Djangou, les fédéraux ont été installés par le ministre des Affaires foncières, Maître Lumeya. Dynamique pour la démocratie au Congo, parti chef au ministre de l'énergie, Ingrid Photo, se range déjà en ordre utile pour la bataille. Son vice-président, Lumeya Palengui, ministre des Affaires foncières, a fait le rappel des troupes. Et le district de Djangou a été choisi pour cela. Ce week-end, fédéraux et autres ont été installés pour le besoin de la cause. Les élections qui se pointent à l'horizon